Bonjour à tous. Nous sommes au Salon de l'Agriculture et donc vous souhaitiez mettre en avant des bons produits de nos agriculteurs. Oui, parce qu'en tant que consommateur, on peut aider les agriculteurs en achetant des produits français, donc made in France, bons pour la santé et bons dans la bouche. Hier, j'ai été au salon et je vous ai préparé une petite sélection de produits que je trouve bons pour la santé. Alors, on va commencer avec l'huile d'olive. Oui, huile d'olive qui est produite notamment en PACA, mais aussi en Occitanie. Et vous avez cette huile, les délices de l'Oulibo, qui a reçu la médaille d'or cette année au concours général agricole. Alors, l'huile d'olive, c'est une super huile puisqu'elle est riche en bons gras avec notamment des oméga 9 qui sont protecteurs des maladies cardiovasculaires. Et dans cette huile d'olive, vous avez des antioxydants. C'est d'ailleurs l'une des huiles les plus riches en antioxydants qu'on appelle des polyphénols. Elle est donc bonne, l'huile d'olive, dans l'assiette, mais aussi pour notre santé. Alors on continue avec des graines de courge de l'Eure-et-Loire. J'ai connu plus sexy, mais enfin. Ouais, mais vraiment, les graines de courge, c'est parfait dans une petite salade pour apporter le côté croquant ou alors en snack. Parce que ces graines de courge, elles ont deux intérêts. Le premier, c'est qu'elles sont riches en protéines. La seconde chose, c'est qu'elles sont riches en fibres. Ça veut dire quoi? Qu'elles apportent de la satiété. On peut donc les grignoter sans prendre de poids. Et en plus de ça, c'est bon pour la santé. La grignote. Exactement. Et c'est bon pour le transit. Cyril Lignac est d'accord. Elles contiennent du bon gras. Oui, parce que surtout, on peut les passer un petit peu à la poêle, les saler. Et on peut les parfumer avec un peu de paprika fumé. Tout ça nous fait, c'est mieux que d'acheter des cochonneries. Biscuits apéritifs, quoi. Bon, vous avez aussi des noix de Grenoble. Oui, exactement. Des noix de Grenoble qui sont riches en bon gras. C'est des noix de Grenoble toutes simples en fait, mais elles sont vraiment exceptionnelles. Lorsque vous les mangez, ces noix, en fait, vous ne vous rendez pas compte que vous avez des antioxydants, de la vitamine E, de la vitamine B, que vous allez protéger des maladies cardiovasculaires. Et si vous prenez les noix de Grenoble avec les graines de courge de l'Eure-et-Loire, plus l'huile d'olive, c'est la base du régime méditerranéen. Et ce régime méditerranéen, c'est celui qui a le plus prouvé ses effets sur les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer, le surpoids, l'obésité et même la longévité. On peut donc vivre longtemps et en bonne santé grâce à ces produits. Je rappelle que c'est un médecin qui vous parle. C'est le petit déjeuner pour certains qui nous écoutent. Un petit jus de pomme. Oui, avec ce jus de pomme, cœur de pomme, 100% pur jus, sans colorant, sans conservateur, made in France, avec 30% de sucre en moins, grâce à une technique d'extraction un peu particulière des agriculteurs. Donc quitte à boire un jus de temps en temps, autant que ce soit un de qualité et si possible réduit en sucre. Et je rappelle que la bouteille de rosé est pour moi. Depuis le début de la matinale, je vois la bouteille qui s'éloigne de plus en plus. Je suis sous crise de tachycardie. Jimmy, il est avec les graines, moi je suis avec la saucisse et le rosé, tout va bien. Merci docteur Jimmy Mohamed.